Lì c'è lì chi l'ha più forte. Non c'è più ora niente. Nombreux au domaine de Milan pour remercier la famille Milan, surtout Fabien et Sophie de nous accueillir dans le magnifique caveau. Allez, que c'est mieux. Bravo. Si les amis de la Baragogne font des cafés, c'est un peu dans cet esprit, c'est pour se retrouver dans des lieux un peu particuliers du village. Donc, au mois d'avril dernier, on était reçu au domaine chez M. et Mme Bonnier dans leur salon. C'est encore plus petit ici, mais ici c'est un. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Ça sera mieux pour tout le monde. Donc. Et sa capitale est de 1904 à 1909. À la seconde, il y a eu Jean Grand de Galardon, le Gareo, qui a tenu que capitale de 1909 à 1924. Come segretario di André Vallès, alla seguita del 1907 e lo travaglio di Jean Bérard. A Vese è Jean Bérard de Galargue, toujours le Galargue, del 1924 al 1930. Il segretario di Paul Cernot, di Saint-Just, e lo travaglio di Charles Couton. Lo travaglio di Saint-Just, e lo tenorie, e lo tenorie, e lo tenorie, e lo garantisce che. Ça va, ça va. Alors, c'est qui le lieu Alphonse Arnaud, de Saint-Just, le grand capitaine. Le secrétaire est à Vulden, où travaille René Delbos. Le marquis est un fin lettré. Nous avons là un sonnet florentin, un sonnet fait selon la tradition la plus respecté par les gens de la Pléiade. Et ce sonnet en occitan, en dialecte provençal, est une petite merveille. C'est notre ami Maurice qui va nous le lire. Vous avez vécu, vous savez de quoi il parle, on n'a pas tous les jours. On a eu la chance de recevoir Jean-Luc et Guy, et de les rencontrer, de parler avec eux, c'est vraiment des moments privilégiés. Et je pense que ce lieu, ce qu'il nous a dit, ce qu'on a entendu avec aussi le cours occitan, je pense que c'est vraiment sympa. Donc je voudrais que vous les applaudissiez encore fortement. Nous allons passer un petit moment de restauration. On mangera de la gardiane. Le taureau, c'est quand même des termes pour ceux qui savent. Voilà, il y a de traçabilité. Hein. On l'a acheté chez Maillet. Il m'a dit, dites-leur, c'est quand même des termes. Donc je vous l'ai dit. Voilà. La semaine prochaine, il m'a dit, non, je m'en fais pas. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Après, il y aura, comme d'habitude, le chapeau. Chacun donne ce qu'il a envie. Voilà, donc c'est gratuit, vous donnez ce que vous voulez. C'est pas un chapeau gardien. C'est un travailleur. On va, je vais dire deux petits mots. Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur notre page Facebook, pour ceux qui ont Facebook. Sur notre site internet, labaragogne.fr. Prochain événement pour nous, c'est le 25 novembre. On fait l'après-midi où on présente les animaux totémiques et on présente la Baragogne à la médiathèque de Lunel. Donc pour ceux qui s'intéressent, samedi 25 novembre à 15h à la médiathèque de Lunel, nous faisons, mais pareil, bon, on ne mangera pas, on goûtera.
mais on va pouvoir passer un moment agréable également. Donc... Et on se fait la ligne. Ouais.